Les compétitions commencent toujours par le bouquet provincial. C'est un défilé de compagnies d'archers qui existent depuis des siècles. On décore la ville, on met des fleurs en papier, on met des arcs de triomphe pour passer dessus. Ça représente quand même en moyenne aujourd'hui 3000 archers qui vont défiler, environ 300 compagnies, 300 drapeaux, ce qui représente à peu près un défilé de entre 2 et 3 km. C'est vraiment ce qu'on appelle une tradition vivante. Tradition parce qu'il y a des symboles qui structurent la pratique, qui sont transmis de génération en génération au sein des compagnies d'arc. Et en même temps, il y a un aspect très vivant puisque le bouquet a toujours lieu. L'année dernière à Compiègne, il y avait quand même 300 drapeaux. Vous comptez à peu près au moins 5 personnes par compagnie. Ça monte très vite au niveau du nombre de personnes qui sont capables de se mobiliser sur un dimanche de l'année. Le bouquet provincial, par lui-même, il a toujours existé. Et il existe encore aujourd'hui, de nos jours, en 2014, parce qu'il est maintenu, en vie par les compagnies d'archers d'aujourd'hui. L'honneur pour une compagnie, c'est de perpétuer leur devise, honneur et courtoisie, c'est-à-dire d'accueillir de manière... simple mais respectueuse les différentes compagnies.